Bienvenue dans la cuisine Leïla. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous faire grand bouillie. Comment vous trouver grand pé trempé dans de l'eau. Il y a à peu près 9 heures de temps. Grand bouillie, bien facile pour faire, mais plutôt pour les gens qui peuvent apprendre à cuire, sa recette là vous bien servir. Comment vous trouver là un paquet de livres grand. Je prends la moitié paquet, ça veut dire que je vais faire pour un livre. Donc, so, je vais mettre les trempés. Comme halal de délo, j'ai besoin de remplir ce délo bien, ce bol bien, parce que quand là pour commence grossir comme ça, là les pour monte là haut, les pas pour gagner délo, mais c'est que là haut là pas pour gagner délo, tout délo là pour comment dire en bas, là ce grand pas pour tremper bien. Alors mettez une bonne quantité délo, laissez ce dans tremper pendant 8 heures temps à 10 heures temps, pour moi laissez 9 heures temps, mais toujours ok. Et là, on va mettre de l'eau là, après nous pouvons bouillir de tempo. Remplir de l'eau, comment dire, un pouce plus haut qui gramme là. Ajoute du sel selon goût. Après, nous pouvons couvrir le tempo là, nous pouvons laisser cuire, laisser souffler. Tout dépend de notre tempo. Si il y a un tempo qui existe 3-4 soufflés, qui chose infini cuit bien. Alors, moi, je vais pour moi souffler un code 7 à 8 côtes. Et là, dans un autre four, laisse-les refroidir, laisse-les sauver sortir. Là, nous pouvons faire un tempo là, guetter si, comme je disais, un gramme encore raide. Vous êtes capable, si, et si de l'eau est sec, vous mettez un peu de l'eau encore ferme, laissez cuire, laissez bouillir jusqu'à gramme là, vin mou. Après, nous vous fricassez. Vapeur fini sortir. Là, nous check nos grammes. Et vous êtes capable de tester du sel. Prends une cuillère. Vous trouvez comment elle grossit comparé à comment elle était avant. Vous prenez une cuillère, vous êtes capable de peser ou bien vous prenez un des grammes, vous mettez d'un côté. Quand les frais vous goûtez, si c'est du sel bon ou bien si c'est bien mou, sinon, là vous remettez cuit. Et moi, pour moi, tout correct là, vous pouvez verser ce de l'eau après nous commencer à fricasser. Je mets de l'huile sur. Comment vous trouvez à peu près des gros cuillères d'huile. Pas mettre trop beaucoup d'huile, vous grammes pour ramasser trop beaucoup d'huile. Il n'y a pas pour ramasser d'huile, mais comment dire, vous pouvez d'huile, quand vous mangez. Et voilà, je vais mettre un petit peu de carré poulet. Et moi, je compte frise pour moi parce qu'ici, dans le Canada, nous pas de carré poulet tous les jours, frais, poisté. Alors, je vais mettre une bonne quantité, je vais laver les graines comme ça, je vais les garder dans le freezer. Nous avons besoin d'un oignon coupé. Vous comptez avec les oignons beaucoup de vos grammes. Alors, pour vous autres, si vous trouvez ça trop beaucoup, vous êtes capable de mettre 10 un petit oignon. Et moi, je vais servir des oignons moyens. Et là, nous pouvons vous frire. Pas un piment vert ici, mais nous ne pouvons pas mettre ça à cette là. L'autre qui dit fait, les oignons la frire. Comment vous trouvez là? Zoyons là, prend un petit peu de couleur, à 16 tasses de piment là. Il y a 8 minutes pour ça, zoyons là, prend couleur parce qu'il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau du peu fort, on met l'eau fait doux. Et en plus, il y a beaucoup d'huile. Là, il prend un peu de temps pour frire. Si vous mangez un peu d'huile, beaucoup, là, zoyons là, vous frire plus vite. Et là, nous voulons ça piment là frire un petit peu et les oignons là viennent un petit peu plus marron, un petit peu comment dire rose pâle ou bien marron pâle. Comme ok, vous autres, la cuisine peut sentir extra bon. Et là, quand vous trouvez les oignons prend couleur, on coupe 4 minutes. Et le piment là, si vous trouvez, il paraît une frire. Et là, nous venons vers nos dalles, nos grammes. Ajoute 2 grammes là-dedans. Mélange-les. Quitte-les l'eau fait vous-même. Mélange-les comme ça. Pour manger 1 à 2 minutes. Et voilà, nos grands bouillis, ils paraissent. Laissez refroidir après que vous servez. Pas oublier de subscribe dans vos vidéos, dans mon channel. Like to mon vidéo. Share-les avec vos camarades et toute la famille. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour une autre recette encore. Et bye bye!